أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On profite de cette soirée quelque peu spéciale, Inch'Allah ta'ala, pour se faire un petit rappel entre nous. Je sais que la plupart d'entre vous, alhamdoulilah, nous sommes dans cette soirée qui est pour nous mondaine et qui n'a pas forcément d'importance différente. Nous profitons de cette soirée, Inch'Allah ta'ala, pour nous faire un rappel entre nous sur le fait de se réveiller et de réveiller nos cœurs. Donc le but, ce sera de réveiller nos cœurs. On était en train de parler un petit peu pour expliquer comment réveiller nos cœurs. Réveillons nos cœurs, réveillons-nous. Étant donné le fait que c'est pour certains la soirée du réveillon, nous on va en profiter pour réveiller ce qu'il y a de plus important. Pourquoi c'est le plus important le cœur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit Ala inna fil jasadi mudra, ida saluhat saluha al jasadu kullu, wa ida fasadat fasada al jasadu kullu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il y a certes dans le corps humain un organe, un membre. Si cet organe il est bon, tout le corps il est bon. Et si cet organe il est mauvais, tout le corps il est mauvais. Et il a dit, et certes cet organe c'est le cœur. Parce que le cœur c'est le moteur de notre vie et c'est le moteur de notre corps également. Il se peut que tous on dise la ilaha illallah, il se peut que tous on dise Muhammad Rasulullah. Mais la parole de la ilaha illallah n'a pas le même impact dans notre vie. Le fait de reconnaître Allah n'a pas le même impact et n'a pas la même vision dans notre vie. Il se peut qu'on fasse tous la prière, on fait tous le ramadan. Mais ce ramadan n'a pas la même rétribution auprès d'Allah parce que nous ne le faisons pas de cette manière-là. Et donc, pour le faire comprendre, on voulait faire une petite parenthèse, Samir, sur la célébration de Noël. Est-ce que les musulmans peuvent célébrer Noël ou non? Est-ce qu'on doit faire comprendre à tous les musulmans? Pour certains, en fait, comme on disait, pour certains, il y en a qui se permettent de dire « la foi, c'est dans le cœur ». Ouais, je suis musulman. Ou alors, en quoi ça te regarde? T'es qui pour me juger? T'es qui pour me faire le rappel? Ça, c'est souvent des phrases qu'on entend, et encore plus, de plus en plus en France. La foi en islam, c'est dans le cœur, mais c'est aussi dans les actes. On ne peut pas être musulman uniquement dans son cœur. Si les actes ne suivent pas, c'est qu'il y a un problème dans la foi et qu'elle n'est pas bonne. Et on ne peut pas avoir une foi forte si les actes ne suivent pas. C'est impossible. C'est une équation mathématiquement impossible en islam. C'est comme si je vous disais, je suis riche, mais je n'ai pas d'argent. Je suis médecin, mais je n'ai pas de diplôme. Je suis footballeur, mais je ne sais pas jouer au foot. On ne peut pas avoir la foi sans avoir des œuvres. Et ces œuvres-là, ils sont régis par une chose qui s'appelle le rite. Déjà, il y a une grave erreur que beaucoup de jeunes font. Et malheureusement, en fait, on l'a fait parce que les Occidentaux, c'est comme ça qu'ils vivent. Beaucoup de gens confondent religion et relation. Tu vois, dans une relation, les gens, par exemple, ils veulent trouver l'amour parfait, etc. Donc, ils vont commencer à mettre des critères. Ouais, moi, je veux que ce soit comme ça ma vie. J'aimerais vivre là. J'aimerais voyager ici. En fait, on réfléchit à une relation. Et on pense que la religion, bah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on se permet d'avoir le choix. Allah, dans le Coran, il nous dit, à partir du moment où Allah et son messager, ils ont décrété quelque chose, les musulmans, ils n'ont plus le choix. C'est une religion. La religion, c'est déjà, dans un premier temps, une relation que l'on vit avec Allah, mais c'est bien plus. Et tant qu'on n'a pas distingué les deux, on vivra dans un islam hybride. On sera des musulmans pratiquement. Un jour, on pratique, et l'autre jour, on esquive. Ou alors, le vendredi, on est à la mosquée, et puis le samedi, on est avec nos potes, et on fait des choses qui ne sont pas forcément des choses qui sont bonnes. Et ça, malheureusement, c'est parce qu'il y a une défaillance dans notre conception de la religion. Parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que réellement l'islam. D'ailleurs, Désolé, je te reprends, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai l'impression qu'on se concentre seulement sur les choses obligatoires. Et ce qui va être détestable, déconseillé, etc., ça, on le zappe. Genre, c'est pas important. Effectivement. T'arrives devant Allah et dans ton livre, il y a écrit une chose que t'as fait et c'est détestable. Tu vas pas être à l'aise, tu vois. Ouais, c'est parce que, comme t'as dit, on va essayer de faire des calculs. On fait des calculs. Comme certains, tu vois, malheureusement, ils vont se dire dans leur tête, ouais, ben, je vais commencer la prière une fois que je me marie. Ils font des calculs, mais tu ne peux pas calculer avec Allah. Tu peux faire des plans, tu peux, entre guillemets, tu peux trouver des bonnes occasions. Tu peux tricher, sauf avec Allah. Tu ne peux pas tricher parce que c'est Allah, il gère tout, en fait. Exactement. Il gère tout, il sait déjà tout. Tu veux aller où, en fait? Faut qu'on fasse ce qui a été dit. Et alhamdoulilah, tu vois. C'est vrai que dans cette dunya, c'est comme un piège, tu vois. Ouais. Comme si le shaitan, il nous fait croire que vas-y, tranquille, tu peux,
profite, fais ci, fais ça. En fait, tu es dans cette dunya et tu es bloqué. Parce que si tu fais pas ce que Allah il veut, sachant que lui il gère tout, tu vois. En vrai, t'es que perdant, tu vois. Et nous on veut tricher, on veut dire non, vas-y tranquille. Mais en vrai, le vas-y tranquille, il n'existe pas en vrai. Il y a un hadith Qudsi qui va dans le sens exact de ce que tu dis. Allah Ta'ala, c'est un hadith qui n'est pas authentique, mais qui est repris par beaucoup dans des rappels. Allah, il nous dit, mon serviteur, toi tu veux, et moi je veux. Nous, on veut des choses, on veut la best life, on veut dormir le matin, pas se lever pour le fajr, on veut voyager, on veut kiffer notre vie, on veut s'habiller comme on veut manger ce qu'on veut. T'as vu, on veut la. C'est normal, si on est des humains, c'est notre nœud, tu vois, notre nœud, ça nous pousse à la paresse, elle nous pousse entre guillemets, à kiffer la vie, toutes ces choses, c'est normal. Allah il nous dit, vous voulez des choses, et moi je veux des choses. Allah il nous dit, si tu vas vers ce que tu veux, je te fatiguerai dans ce que tu veux et je te donnerai peu. Mais si tu vas vers ce que je veux, je te donnerai ce que toi tu veux. Subhanallah. C'est-à-dire que si nous on fait ce qu'Allah il nous demande de faire, et on se soumet à lui sincèrement, bah Allah il nous donne ce que nous on veut, sans même parfois qu'on s'en rende compte. Et c'est ce qu'Allah dit dans le Coran, dans Sourate At-Talaq, et quiconque a vraiment peur d'Allah, quiconque craint Allah réellement avec son cœur, Allah il lui donne une issue favorable. Il lui donne la solution à tous ses problèmes. Et il lui donne de là où il ne s'attend même pas. Combien de gens, voilà, tu parles avec eux, ils te racontent des histoires, mais tu frissonnes. Tu te dis, regarde, j'étais dans ce problème, j'avais ça, j'allais être expulsé, j'allais avoir ceci, et j'étais désespéré, et je m'en suis remis à Allah, et Allah il m'a aidé. Et combien de gens, Allah il leur a donné l'argent, ils ont commencé à faire n'importe quoi avec, et Allah il leur a donné la tristesse. Alhamdoulillah. C'est la grande différence entre les deux. Pour revenir à cette notion, tu vois, de relation et de religion, l'islam, c'est une relation que l'on a avec Allah, mais c'est aussi une religion, comme on a dit. Et cette religion, elle est organisée autour de ce qu'on appelle des rites. Un rite, c'est compliqué à expliquer. Déjà, beaucoup de gens ne font pas la distinction entre le rite et la culture. Déjà, pour revenir un petit peu, on va reprendre une parenthèse. Tu vois, les gens, comme tu as dit, qui font des calculs. Allah, dans le Coran, il utilise un terme, dans la terminologie, dans les mots, utilise un mot que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, ce mot, c'est la valeur. Allah, il nous dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah, dans le Coran, quand il nous parle de la valeur, il nous fait comprendre une chose qui, malheureusement, nous montre que beaucoup de gens, même dans notre communauté, ils sont tellement aveugles qu'ils ne font pas la distinction. Et ça, d'ailleurs, on peut même tous se poser la question, est-ce qu'on arrive à distinguer la différence entre la valeur et le prix d'une chose? La valeur d'une chose et le prix d'une chose. La valeur, c'est ce que la chose vaut. Et le prix, c'est ce qu'on lui donne. C'est ce qu'on lui donne. Et quelle est la différence du coup? Le prix, c'est donné et la valeur, c'est estimé, tu vois. C'est Wallah, tu as parfaitement raison. C'est exactement ça. La valeur, c'est comment on estime la chose, sa réelle valeur. Le prix, c'est comment les gens le voient. C'est-à-dire que parfois, le prix est erroné et la valeur, elle reste toujours réelle. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, les gens qui font des péchés, ils vendent leur religion pour un prix qui est faible. C'est-à-dire, la religion a une grande valeur, on est d'accord. Mais ces gens, ils lui ont donné un petit prix, parce qu'ils ne l'ont pas estimé à sa juste valeur et à sa juste mesure. Il y a même un dicton qui disait le cynisme, c'est-à-dire le cynisme, c'est la décadence, les choses mauvaises, les mauvaises habitudes. Tu sais, le fait de dépasser les limites, le fait de toutes ces choses mauvaises, il disait le cynisme connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. Et malheureusement, beaucoup de gens sont devenus cyniques. Quand tu leur parles, ils te disent, ouais. Telle montre, elle vaut tant, tel pull de telle marque, il vaut tant, tel truc. Mais subhanallah, ouais, peut-être que cette marque, elle te l'a vendue à 500 euros. Mais en vrai, le pull, sa vraie valeur, son prix, c'est peut-être 500 euros. Mais sa vraie valeur, c'est un truc en coton normal, ils t'ont juste mis une étiquette dessus. Mais en vrai, il coûte 2 euros. Et l'inverse, peut-être que toi, la prière, tu lui donnes pas du temps. Peut-être que toi, la lecture du Coran, tu lui donnes pas du temps, alors qu'elle a une valeur énorme. Mais dans ta tête, tu lui as donné un prix qui était faible. Toute notre vie, on achète et on vend du temps, on achète et on vend de la patience, on achète et on vend des choix. Notre vie, elle se. En fait, et ces choix, c'est quoi? C'est on met dans notre tête une balance. Vas-y, je fais ça ou je fais ça? Tac, tac. Et dans le truc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on pèse et on donne un prix. Mais parfois, notre valeur, elle n'est pas bonne. Et pour nous, le problème, Samir, c'est quoi? C'est ce qu'Allah, il a dit. On n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Subhanallah. Il y avait des pieux prédécesseurs. Il y en a un d'entre eux, quand il allait prier, il devenait jaune, pâle. Pourquoi tu devenais pâle? Je lui disais les gens. Je leur dis, est-ce que vous savez devant qui je vais parler? Est-ce que vous savez devant qui je vais être? Il y a un compagnon, radiallahu anhu, il a entendu qu'Allah a prononcé son prénom, et s'est mis à pleurer de chaudes larmes. Il s'est mis à pleurer comme un bébé. Et il n'a pas arrêté. Et il a dit au professeur, est-ce que Allah, au-dessus des sept cieux, il a mentionné mon nom à moi? Et ça l'a changé dans sa vie, tu vois. Parce que les gens qui sont passés avant nous, les pieux, ils ont estimé Allah à sa juste valeur. Ils ont donné à la religion sa vraie valeur. Quand on sait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
Dans le hadith, il nous dit, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, et souvent la valeur des choses, le prix, c'est souvent ce qu'on appelle, on l'estime suite à ce qu'on appelle un biais d'ancrage. C'est-à-dire que, tu sais, par exemple, il y a des études scientifiques qui te disent qu'une personne, elle s'estime pauvre ou riche, non pas en fonction de ce qu'elle gagne, mais en fonction des gens qui sont autour d'elle gagnent. C'est-à-dire que si tu gagnes 2000 euros en France et que tu vis qu'autour de toi, tous les gens, ils gagnent 2500 euros, tu vas avoir l'impression d'être pauvre. Mais si tu vis dans un autre pays, tu gagnes 2000 euros et que les gens ils gagnent 500 euros, tu auras l'impression d'être riche. Tout simplement parce qu'en fait, dans notre vie, on compare souvent deux choses. On fait souvent de la comparaison. Tu vois, c'est comme quand je dis, ouais, Paris c'est au nord, mais c'est au nord par rapport à où? Par rapport à Marseille, mais par rapport à Lille, c'est au sud. Je suis obligé de toujours avoir cette émotion. Toujours on compare. Toujours on compare. Et dans cette comparaison, nous les musulmans, il nous est demandé de comparer face au haqq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu nous dire ce qu'on doit utiliser comme élément de comparaison. Et il est venu briser toutes les choses de cette dunya, de ce bas monde qui nous bourrent le cerveau et qui nous font croire que ouais, il faut comparer avec ça, ou avec cette. Non, on compare avec ce qui est bon. On compare avec ce qu'Allah azzawajal il aime et ce qu'Allah azzawajal il agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné plein de hadiths, justement pour briser dans nos têtes les ouais, regarde un tel, il a une Mercedes, ouais, regarde une telle, elle s'est mariée, pas moi, ouais, regarde un tel, il a réussi son diplôme, ouais, regarde un. Tout ça vaut rien. Il a sorti plein de hadiths. Parmi eux, il y a un hadith qui est très beau, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on viendra le jour dernier, le jour où on sera tous tout nus, et où tous les milliards de ce monde n'auront aucune valeur. D'accord? Où on sera tous en panique, et on attendra le jugement en train de trembloter. Et Allah azzawajal, dans le Coran, il nous parle de ce jour, il nous dit qu'il est tellement lourd, il nous dit, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Tu verras les gens, ils sont comme s'ils avaient bu, ils sont ivres, tellement ils vont rentrer dans des délires. Mais ils ne sont pas ivres, mais c'est certes le châtiment d'Allah qui est terrible et qui est lourd. Ce jour-là, qui est terrible, Allah il va prendre deux hommes. Et ces hommes-là sont ce qu'on appelle les éléments d'ancrage avec lesquels on va comparer toute notre vie. Il nous dit, ces hommes-là, le premier, c'est l'homme qui a le plus profité dans sa vie. Et le second, c'est l'homme qui a le plus souffert dans sa vie. Le premier, c'est l'homme qui a eu le plus de belles choses dans sa vie. Il a eu de l'argent, de la célébrité, il a eu des bienfaits. Il a vécu la meilleure life, la meilleure vie que l'on puisse imaginer en tant qu'être humain. Que des plaisirs et pas de problème. Il a profité du début jusqu'à sa fin. L'homme de toute l'humanité, de Adam jusqu'au dernier, des milliards de milliards que nous sommes. Et il va ramener aussi, Allah va demander qu'on prenne l'homme, ça c'est le plus haut, l'homme qui a le plus souffert sur terre. Celui qui a souffert de plus grosses calamités, de pauvreté, de famine, de maladie. Il a perdu ses proches. Il a eu toutes les épreuves les pires qu'on puisse imaginer, les deux. Pour que, en fait, nous, forcément, on est entre les deux, tu vois. Donc, on est dans le point d'ancrage des deux. Forcément, soit on est en bas ou en haut, au milieu, alhamdoulilah. Et même quand on voit notre vie à nous en France ou en Europe, on est souvent dans le haut du panier. On l'oublie souvent, mais 99% des gens sur Terre n'ont pas accès à l'eau potable et n'ont pas accès parfois à la nourriture simple, tu vois. N'ont pas accès à avoir des toilettes. Les toilettes, pour nous, c'est un service simple. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à des toilettes. Et on fait partie, pardon, voire des 0,1% des gens les plus riches sur Terre. Et on prendra l'homme qui a le plus profité, et Allah va demander à des anges de le tremper en enfer, une trempée, tac, tac, de le tremper qu'il ressorte. Quand ils vont le tremper rapidement, ils vont lui poser. Il n'a même pas le temps de rentrer, cet homme qui a profité en enfer, qu'il est ressorti rapidement. Même pas une fraction de seconde. Ils vont lui dire, est-ce que tu as souffert sur terre? Est-ce que tu as profité sur terre? Il leur dira, par Allah, je n'ai connu aucun profit. Aucun profit. J'ai rien connu de bien dans ma vie. Et l'autre, c'est l'inverse. L'homme qui a le plus souffert sur terre, on le prendra, on le trempera en enfer, au paradis, une trempée. Tac, tac. Même pas une fraction de seconde. Est-ce que tu as connu une souffrance sur terre? Oh Allah, je n'ai connu aucune souffrance. Tout sera totalement oublié. Pourquoi tout ceci? Pour nous faire comprendre que notre esprit, notre tête, notre cœur, ils ne doivent pas aller chercher ce bas monde. Ils ne doivent pas, tu sais, malheureusement, à force d'écouter les influenceurs, certaines musiques, certaines personnes, on pense que la vie, faut faire de l'argent, faut faire de ceci. Non, tout ça c'est le faux semblant de la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle zukhruf ad-dunya. C'est le, comme diraient certains, c'est la khnouna min fouq min halakar. C'est la khnouna sur laquelle on met du make-up, tu vois. Et on fait croire que c'est beau, mais en fait, t'es, quand t'enlèves le make-up, c'est toi qui wake up, tu vois, c'est toi qui te lèves et qui pars en courant. Et malheureusement, c'est ce qu'on a fait croire aux gens. Pourquoi? Parce que c'est ce que Shaitan a voulu faire.
Allah, quand il parle du diable, il nous dit qu'il veut nous embellir ce bas-monde. Il veut nous embellir les péchés. Il veut nous embellir les choses mauvaises afin de nous faire tomber dans ce qu'Allah n'agrée pas. Mais Allah, qu'est-ce qu'il veut pour nous? Il veut pour nous le bien. Et tout le temps, on doit garder à l'esprit que la valeur de ce bas-monde vis-à-vis de ce qu'il y a dans l'au-delà est inimaginable. D'ailleurs, regarde, c'est comme si tu prenais un jeune. En fait, viens, on se pose une. Imagine que tu prends un jeune, maintenant, qui a 20 ans, qui a le permis. Et tu dis, écoute, là tout de suite, il est midi, je te donne les clés d'une voiture, c'est une vieille 205, elle est complètement cabossée, elle n'a pas de contrôle technique, elle a 500 000 km, elle est que des problèmes, ça sent mauvais dedans. Je te la donne tout de suite, mais par contre, si tu la prends pas et tu attends et tu patientes jusqu'à ce soir, je te donne le dernier Lamborghini Urus, toute option, tout ce que tu veux dedans, et avec un sac Louis Vuitton avec 100 000 euros dedans ou 1 million d'euros, allez, vas-y. Tous les jeunes, logiquement, ils vont attendre, on est d'accord, le soir. On est d'accord, Samir. D'accord. Et imagine un jeune, il te dit non, je peux pas patienter et tout. Il a pris la 205 éclatée. On va dire, mais il est fou, lui. Mais il est malade. Qu'est-ce qu'il fait, subhanallah? Eh bien, subhanallah, c'est la même chose que celui qui va vers les plaisirs de ce bas monde et qui ne patiente pas. Alors que l'au-delà est bien meilleur. Alors que l'au-delà est infiniment plus grand et plus noble. Allah Ta'ala, il a dit. Sur le Coran, il y a encore une fois une terminologie qui est belle, c'est le terme mazid. Le mazid, en arabe, c'est le rajout. Le rajout, c'est-à-dire, est-ce que tu veux qu'on te rajoute? Allah, il dit sur l'enfer, Allah, il va parler à l'enfer. Et il va dire à l'enfer, le jour dernier, quand il va jeter les gens en enfer, Allah, il va demander à l'enfer, est-ce que c'est bon, tu es pleine de gens? Elle va dire, est-ce qu'il y a encore plus? Parce qu'elle est insatiable, elle veut toujours plus. Comme malheureusement les gens qui suivent ce bas monde, aller à leur image. Et Allah Ta'ala, quand il parle des gens du paradis, là il parle pas du paradis, il parle des gens qui sont dans le paradis. Là on parlait de l'enfer, pas des gens de l'enfer, il parle de l'enfer en elle-même. Et là Allah nous parle du paradis, il ne parle pas du paradis mais des gens qui sont dedans. Et il nous dit, Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna masid. Les gens qui sont au paradis, ils y ont ce qu'ils veulent dedans. Et Allah il dit, et nous avons le mazid, le même mot qui est utilisé, subhanallah, le rajout. On a la chose en plus qui fait qu'ils sont bien, subhanallah. Et nous, subhanallah, l'être humain, il a été créé pour des désirs infinis. Jamais tu verras un homme, tu lui donnes de l'argent, il va dire, oh, alhamdoulilah, c'est bon. On veut toujours plus. C'est comme ça qu'on a été créé. Allah, il nous a créé, il nous connaît mieux que nous-mêmes. On veut toujours plus, 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 plus. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si jamais on va vers cette dunya, ce bas monde, on va se fatiguer, mais on n'aura rien. Par contre, si jamais on se rend vers l'au-delà, en fait, on va devoir dire à notre nefs, à notre personne, calme-toi. Ce que tu veux faire, c'est pas bien. C'est péché. Tu en as peut-être envie, mais ça va t'apporter que du mal. Il y a d'ailleurs certains savants, ils disent que le pire châtiment qu'Allah puisse donner, l'un des pires châtiments qu'Allah puisse donner à une personne qui fait un péché, c'est pas de lui faire tomber malade ou lui faire. Non, c'est de lui faire peut-être aimer ce péché et de la rendre, wallahi adoubillah, qu'Allah nous préserve, esclave de ce péché. Ou quand on n'arrive plus à s'en tirer. C'est le pire des trucs, Wallah, ça. on est. On devient. Est-ce que tu essaies de te tirer de ton. Ah, t'as du mal. Pourquoi? Parce que tu y as goûté une fois, deux fois, trois fois. Donc, sur cette question d'Al-Mazid, nous, en tant que musulmans, on doit comprendre que notre. En fait, que ce bas monde, un musulman, il doit comprendre que ce bas monde, il est trop bas pour lui. Le monde est trop petit pour que je puisse ou que je veuille l'exploiter. C'est pas assez beau, c'est pas assez grandiose. Même, tu me ramènes toutes les voitures du monde, tout l'argent, tous les vêtements. Tout ce que tu peux m'apporter comme choses qui vont me distraire, mais en fait, c'est nul. C'est ce que l'islam, il nous dit. Et ce qu'Allah nous réserve est encore mieux. Mais il est mieux pour qui? Pour ceux qui disent à son nefs, comme on a dit, celui qui dit à sa personne, calme-toi, reviens sur terre, garde les pieds sur terre, doucement. Il y a beaucoup de savants qui parlaient, ou beaucoup de gens même pieux, qui parlaient avec leur nefs. Ils disaient, sabran ya nafsi, doucement mon âme, patiente. Tu as envie de faire ce haram, patiente, ce qui nous attend est bien meilleur. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il disait, ceux qui arrivent à patienter face à un péché, ils retrouvent même en eux une forme de fierté. Mais la vraie fierté, parce qu'ils ont réussi à résister face à quelque chose de dur. Résister là où beaucoup de gens sont tombés. Et on le sait tous, les plus difficiles des combats sont ceux que l'on mène contre nous-mêmes. Comme le disaient certains ulama, ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Ça sert à rien de dire, ouais, c'est le shaitan. Non, c'est ta propre personne qui t'incite à dormir, à faire du mal, à te crier, à t'énerver, à te croire quelqu'un de différent, quelqu'un. En fait, tu n'es rien. Allah, dans le Coran, il nous dit qu'on est né d'une goutte, d'un liquide,
et qu'on redeviendra de la poussière, et que quoi que tu cherches, tu es quelqu'un de modeste et de petit. C'est ça qui veut nous faire comprendre l'islam. Alhamdoulilah. Donc, on a une différence entre la valeur et le prix des choses. Et cette dunya tout entière, elle ne mérite rien. Nous sommes ici sur terre uniquement de petits passages. Et si nous réussissons ce petit examen, alhamdoulilah, on réussira. Pour réussir, il nous faut obligatoirement purifier notre nafs et notre cœur. Il faut que chacun d'entre nous y veille son cœur. Ton cœur, c'est comme une petite bougie que tu as allumée, la foi dedans, et que tu essayes de préserver face au vent des passions qui essayent de l'éteindre. Et à chaque fois, tu essayes petit à petit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a dit. Dans un hadith, il a dit, celui qui commet un péché. Parfois, il y a des gens, ils font des péchés, malheureusement, maintenant, même ils rigolent. Ils les affichent sur Internet. Qu'est-ce qui se passe quand tu commets un péché? Il y a un point noir sur ton cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à chaque fois qu'un être humain fait un péché, il y a un point noir sur son cœur. Puis, s'il revient à Allah, ce point noir, il s'efface, pardon. Et s'il ne revient pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un deuxième point noir, troisième. Jusqu'à ce que le cœur y devienne dur, et quand le cœur y devient noir et dur, il est difficile pour lui d'adorer Allah, ou de comprendre qui est Allah. Il est difficile pour lui de s'accrocher à la religion, et pour lui, toutes ces choses, elles sont lourdes. La religion, ouais, c'est dur, dur, ouais. Très dur. Même, t'arrives à un moment où tu peux même détester la chose, tu vois. La prière, ça te saoule. T'imagines? Le Coran, t'en parles même pas. Et tu sais, t'as dit une chose hyper intéressante, et c'est ouf, tu parles de la valeur. T'imagines? La valeur de la prière, elle serait de combien, la valeur de la prière? Bah c'est franchement, bah le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, regarde encore une fois, comme on a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne la vraie valeur des choses. Une fois, il est passé à côté d'une tombe et il a dit, vous savez, cet homme qui est dans cette tombe, qu'est-ce qu'il aimerait plus que tout au monde? Qu'est-ce qu'il serait prêt à payer contre tout l'or du monde? Et là, les compagnons ont dit, Allah et son messager se mettent commun. Il leur a dit, deux raka'at, deux unités de prière faites avec sincérité qui sont acceptées par Allah. Meilleur pour lui que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, dans lequel il nous dit, Salatul Fajr, Ahabu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. La prière d'Al-Fajr m'est préférable que tout ce bas monde et tout ce qui contient. Tout ce que vous avez comme richesse, faire Salat Al-Fajr à l'heure, c'est un mets préférable, subhanallah. C'est Younes. Moi, j'aime bien donner l'exemple de lire notre livre, tu vois. Et c'est vrai que la Salat, c'est le plus important. Mais imagine-toi, quand tu lis ton livre, à chaque fois que tu vas lire, et à chaque fois, à l'heure de la prière, c'est marqué que tu ne l'as pas fait. Imagine, Fajr, tu ne l'as pas fait. Et tu es en train de le lire. Je n'ai pas fait le Fajr. Je n'ai pas fait le Dohok. Je n'ai pas fait l'Asr. Et tu lis. Et tu lis jusqu'à quand? Mais c'est pas que tu lis seulement. Enfin, voilà. C'est pas que tu lis seulement. C'est tu lis et tu vois l'enfer se rapprocher de toi. Ouais, et l'enfer, elle se rapproche comme ça. Et tu lis et tu vois la colère d'Allah grandir sur toi. Ouais, ça y est, c'est... De toute façon... Ouais. En vrai, vraiment, non, laisse tomber, c'est même pas imaginable, ça dépasse la raison. En vrai, humainement parlant, tu pourrais même pas tenir. Tu vois, tu peux pas tenir, tu vois. T'imagines, ouais, c'est un truc de fou. Subhanallah. Mais ça, pourquoi on en arrive à ne pas prier? Pourquoi on arrive à faire des péchés? Parce que nos cœurs, ils sont devenus durs. Parce que nos cœurs, c'est devenu des endroits où le shaitan, il en a fait un squat. T'as vu les squats là où il y a des sans-papiers qui vont, des gens qui sont sales? Mais c'est un truc de fou, c'est que le cœur, c'est plus fort que la raison. En fait, moi, je distingue deux personnes. En fait, en nous, c'est comme si on était deux, tu vois. N'importe quel musulman, tu viens lui parler, tu dis, est-ce que tu aimes la prière? Est-ce que tu veux prier? Tu veux aller au paradis? Tu crois en Allah? Tout le monde va te dire oui, tu vois. Mais le cœur, ce que tu en as fait, plus tu fais des péchés, et plus ton cœur, il va décider par lui-même. Et tu ne pourras pas le contrôler. Ça qui est ouf, en fait. Mais justement, tu as vu quand je parlais tout à l'heure des valeurs? En fait, quand tu fais des péchés, on a dit, il y a des points noirs, jusqu'à ce que ton cœur devienne un endroit, comme on a dit, sale. Et quand ton cœur devient un endroit sale, c'est la pire des choses qui puissent arriver. C'est ce qu'on appelle l'inversion des pôles. L'inversion des valeurs. C'est comme si le pôle nord devenait le pôle sud et que tout le monde marchait sur la tête. Allah dit dans le Coran, وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Allah, quand il parle des croyants, il dit, il a fait aimer dans vos cœurs la foi et il l'a embelli. Et il a rendu laid, moche dans vos cœurs, al-kufr, la mécréance, les péchés et la transgression. C'est-à-dire que le croyant,
quand son cœur il est propre, il déteste les péchés. Ça lui donne envie de vomir.